Non, tu fais quoi dans mon quartier? Ok. Ok, ici c'est mon quartier avec mes grands frères. Non, je suis le petit frère. Tu viens pas ici, tu m'as compris. C'est interdit pour les flics. Vas-y, s'il part pas, on va être obligé de le canarder. Dépêche-toi, barre-toi. Maintenant, je vais plus te voir repasser ici. Dépêche-toi. Je te surveille. Il y a mes grands frères qui te surveillent. Barre-toi. Ah ouais, je fais bien le rôle du petit frère du quartier. Hey, tu fais quoi de mon quartier? Il faut qu'il joue la scène et qu'il essaie de revenir, toi. Ma fille, il est jamais venu ici. Il y a son supérieur qui l'a dit de passer dans le quartier. Mais il est où? Des quartiers. Je sais pas, je l'ai dit, barre-toi, il s'est barré, mais je pense qu'il va revenir, tu vois. Mais il était où? Moi, je suis sous toi, il était au début à l'entrée. C'est toi qui as tiré sous lui, non? Non, j'ai pas tiré sur lui, j'ai tiré en l'air. Mais là, regarde là où tu descends, mais il était à l'entrée là devant. Il s'est garé comme ça. Je pense qu'il va revenir. Je vais lui mettre un petit message haut aussi. Plus je l'ai parlé, j'avais pas d'arme dans ma main. J'ai tiré. Il est où? Je sais pas. Je vais tirer toi, genre, pour qu'il puisse venir. C'est toi avec la voiture? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas en fait s'il va continuer la scène, toi. Surveille, tu es sur le toit? Je te vois pas. Ouais. Reste sur le toit, tu surveilles. Quoi? Reste sur le toit. Putain, je fais le toit dans toi. C'est moi qui tue, hein. T'inquiète. Je tire pour qu'il ait. Je tire dans là. Donc il y a des alertes et qu'il essaie de revenir. Quand il arrive. Tu m'entends? Non. Et tu reviens ou pas? Tu m'as dit jamais revenir, man. Ouais, non, mais on continue la scène. Ouais, mais justement, tu es la police. Tu dois faire respecter la loi, donc tu dois revenir armé. Ouais. Non mais tout ça, genre tu vas pas tirer sur nous mais tu redescends, toi on continue en fait. Genre, tu fais quoi? T'as pas compris ce que je t'ai dit ou quoi? Maintenant il faut que tu démantèles le quartier là. Attends, répète. Démanteler. T'as pas t'es venu, je t'ai vu là, je t'ai pas. Allez là, j'ai fait le petit frère de la cité. J'ai dit on veut plus te revoir dans le quartier. Mais toi tu fais genre t'es la tête têtue, tu reviens, tout ça. Okay. Non, tu veux nous arrêter, tout ça. Là je vais mettre une annonce que un anonyme qu'on vende la weed là, mais maintenant. Je vais mettre aussi, il y a de la drogue à vendre.
Tu as le droit de venir par où tu veux, hein. Ouais, t'es sur les toits, man, c'est normal. Après, sinon, tu peux venir en flic civil, toi, genre qui achète. Genre, après, tu me braques, tu braques le vendeur et. Et le vendeur, il est pas au début du quartier, il est au milieu du quartier, à la place. J'allais chercher la drogue plutôt. C'est fait ce qu'il y a de la drogue, donc c'est fait ce qu'il y a de le bien. Tu viens pas et tu me braques pas tout de suite. Genre, il bouge plus. Sous mon petit toit, j'ai pas d'arme dans ma main. Je suis inoffensif. Et j'ai passé les guetteurs sous le toit. J'ai pris la peine de me lever. Tu veux pas venir? Il vient pas, je crois. On va aller le chercher alors. Qu'est-ce qu'il... Il s'infiltre dans le quartier, peut-être. Garde l'œil ouvert. Si les flics sont passés, ils vont repasser. Et cette fois-ci, on va leur donner la leçon de leur vie. Après, imagine, il fait le rôle, il veut l'acheter. Moi, je fais genre le pain. C'était pas toi qui étais pour faire tout à l'heure la foule d'emploi. Je sais pas, il s'est mute. Je sais pas si j'ai. S'il faut quelque chose, je veux pas qu'on attende pour rien. Je crois qu'il arrive. Ouais, il arrive. Oh là là. Il est où? Il est là, il est devant. Il est juste devant où t'as volé le véhicule. Il fait le tour, il descend par tout en bas. Il va essayer de rentrer par derrière. Fais attention, trouvez-les derrière. Tu la vois la voiture jaune? Non, je la vois, moi je suis tout au bout où on est. Je crois qu'il a continué là, genre comme si l'armée là à droite vers le quartier, ouais, je vois. Je pense qu'il fait tout le tour d'où il va rentrer par les cités. Toi qui cavale là-bas? Ouais, je sais. Il est là, il est sous moi. Là-bas. Tu bouges pas! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas, hombre! Bouge pas! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans notre CTF? Qu'est-ce que tu viens faire ici, hombre? T'as dit quoi, toi, alors là? Ici, c'est interdit aux bleus, ici. Le gang des bleus, je vais pas le voir ici. Qu'est-ce que tu fais? Attends, laisse-le parler. Tu veux de la drogue? Non,
Ok, mais je t'ai dit quoi tout à l'heure là? Je t'ai dit tu viens pas dans mon quartier. Je t'ai dit mes grands frères et mon seigneur, prends pas en coin. Mon supérieur, il t'a dit quoi? J'ai de la coque si tu veux. Tu peux la fumer si tu veux, hombre. Qu'est-ce que ton supérieur il t'a dit? Pourquoi il t'a dit de venir ici? Et pourquoi tu parles pas, hombre? J'aime pas les hommes qui parlent pas. Surtout quand ils ont un calibre sur la tête. Il parle, hein, tu l'entends pas. Hein. Ah, ok, il t'a dit de venir, il y a des coups de feu. Moi, je te dis de pas venir dans le quartier. Tu veux mourir ou c'est comment? Moi, je suis policier en fait pour protéger les citoyens, pas ici pour tu vois, faire de la merde en tant que tel. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ok, hombre. Ok, hombre. Dis-moi, mon ami. Toi, hombre. Qu'est-ce que tu fous avec cette mitraillette? T'es mineur encore. Le tonton il t'a dit tu peux prendre ça toi, à ton âge? Monsieur. Si, hombre, qu'est-ce que. Je parlais à la famille. À son âge, okay. Il n'a pas le droit d'avoir des petits trucs comme ça là. Et vous, monsieur, alors? Mais tonton, il fait le malin, ça fait deux fois qu'il passe dans le quartier, moi je comprends mal. J'aime pas les plumes, moi. C'est vrai, le gang des bleus, c'est pas votre territoire ici. C'est pas votre territoire ici. Faut pas revenir, je hombre. Je suis seulement venu visiter, monsieur, je suis venu passer dans votre quartier vite fait. Juste à quoi ça ressemblait, etc. Je suis pas venu ici pour tirer personne. Tu le fous de ma gueule. Ma main, c'est un taser, mais c'est exprès pour ma sécurité. Hein. Alors là, je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que ton supérieur il t'a dit de venir visiter les quartiers. Je t'ai dit je vais plus te voir. Maintenant tu retournes pour nous te visiter. Tu te fous de ma gueule. Ici, hombre, dans ce quartier, c'est les oranges qui font la loi. C'est l'orange qui font la justice, ok? Les bleus, ils ont pas le droit de venir ici. Si tu veux venir ici, il faut venir en civil. Et pour acheter de la drogue. Sinon, c'est pas la peine. Ok, hombre. Écoute-moi bien. Moi, j'aurais besoin d'une petite arme là, une petite pistole pour moi parce que mon tonton il m'interdit des armes là. Je vais te fouiller. S'il y a une arme qui m'intéresse, je te la prends. Est-ce que tu m'as compris? Ben non, monsieur, c'est votre tonton, il veut pas moi. Moi, je t'ai dit, je vais prendre mon arme si je veux. Ok. Ok, donne-moi ton arme, dépêche-toi. J'ai une femme, des enfants, Donne-moi ton pistolet là. Parce que je sais que t'as des pistolets là. Moi je connaissais des mecs qui travaillaient entre les flics là. Dépêche-toi. Tiens. Voilà. Il a une carabine bullet. Moi je veux une carabine bullet. Est-ce qu'il a une carabine? Non, j'ai pas une carabine, j'avais seulement le pistolet et le taser que j'ai en ce moment. Ok, tu n'es pas pour des rigoler toi. Tu viens dans notre quartier avec un taser et un pistolet. Et tu penses faire le malin dans notre quartier. Si pas personne, c'était seulement pour me défendre en cas de besoin. En cas de besoin. Okay. Écoute-moi bien, tu vas dire à tous tes flics, c'est interdiction de venir dans ce quartier. Est-ce que tu m'as entendu? Parce que la prochaine fois, si je vois un véhicule de flics, je prends la responsabilité. Moi, même si je suis tout petit, je vais dégommer tous tes véhicules. Est-ce que tu m'as bien entendu? C'est mon chacho. Les Marika. Des cognos, des putas de madre. Muchacho, écoute-moi bien. Il faut que tu repartes d'où tu viens et oublie tout ce que tu as vu. Oui, inquiétez-vous pas, monsieur. Tonton, pousse-toi, passez-y la pilule. Vas-y. Justement. Dis bonsoir à ta femme de ma part. Le tue pas. Merde. Allez, je vais taper un dieu, vas-y. Écoute-moi bien, il y a le gouvernement qui va s'occuper de toi là, il va te relever là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas semblé. Ok, bon, prends ton véhicule et casse-toi. Okay.
putain, t'es là. Descendez, qu'est-ce qu'il y a, Faïs? T'as un petit problème à la tête. J'ai fumé de la weed. On a bien fait une petite scène là.